Eh bien salut tout le monde, ici Mkolo, on se retrouve pour le troisième épisode de Madventure 2.0. Je n'ai aucun stuff, mais ça va changer maintenant. Vous l'avez vu dans le titre, nous allons aujourd'hui faire des enchantements. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que très prochainement, on va pouvoir faire l'Ender Dragon, mais surtout parce que j'ai beaucoup de diamants. Vous allez voir ce que j'ai miné en off. Un grand merci à Arthur, alias Firestorm, vous allez très vite comprendre. D'abord, je vais vous montrer ma maison que j'ai améliorée en off, encore une fois évidemment. Vous savez que sur Madventure, du coup, c'est ça ce que j'aime, c'est que je fais pas mal de trucs en off. C'est vraiment un vrai plaisir. Du coup, je vais vous montrer, regardez la maison Abracadabra, boum! Je suis trop content. Alors, Arthur m'a également aidé au niveau conseil, mais voilà, c'est vraiment une fierté, vous allez voir. Donc, j'ai mis une cheminée. Au-delà du fait que voilà, donc autour j'ai mis un peu des décos, des pots de fleurs, ici, alors j'ai rajouté des lanternes sur les arbres, il me semble que j'avais pas, qu'il y avait pas encore ça dans le dernier épisode. Je suis très actif hein, d'ailleurs sur YouTube, hein, vous l'aurez remarqué, mais je suis vraiment très motivé. Donc voilà, j'ai rajouté des lanternes, j'ai rajouté une cheminée et vous allez voir à l'intérieur pourquoi. Et bien boum, voici en fait, j'ai changé d'avis. Ici je voulais laisser une ouverture hein, de ce côté à la base pour faire un balcon, mais finalement c'est pas une bonne idée. Je ferai une terrasse directement, je ferai un balcon mais genre une terrasse et tout, mais là j'ai refermé parce que c'est beaucoup mieux. Ici j'ai mis du coup une cuisine avec du coup le blast furnace, donc qui permet de faire cuire les minerais très rapidement, donc ça c'est vraiment cool. C'était quoi ce bruit? Attendez, j'ai entendu quelqu'un. J'ai entendu quelqu'un. Non, c'est dans ma tête, ça y est, je deviens parano, j'ai cru entendre quelqu'un. Donc voilà, pareil, hein, c'est grâce à Arthur que je connais les crafts, parce que tout ça c'est les nouveautés du coup de la 1.14 il me semble, et je m'y connais pas trop. Ici j'ai le smoker, donc ça c'est pour faire cuire très rapidement la nourriture, et évidemment le four classique, évidemment, pour pouvoir faire cuire par exemple les blocs. Et regardez ce que j'ai fait du coup là, en décoration, la cheminée en fait c'est ça, et ça fait un peu, vous savez, une hotte, pour que la fumée en fait elle monte là-dedans quoi. Enfin bref, je suis assez content. Ici j'ai mis un petit coffre avec de la nourriture, donc j'ai... essentiellement de la, des baies. Bien évidemment ici j'ai des plantations. D'ailleurs je fais une petite cultivation de citrouille, parce que du coup pour Halloween j'ai une petite idée de troll à faire. Enfin c'est même pas un troll, mais c'est un truc qu'on fera ensemble pour Halloween. Vous allez voir, ça va être juste sympathique, c'est pas non plus incroyable. D'ailleurs j'ai un composteur que j'ai volé chez les PNJ, du coup c'est vachement pratique. Je peux mettre par exemple les baies et normalement hop, ça me fait de la bonne mille. C'est quand même, franchement c'est quand même fantastique hein. C'est quand même fantastique, la bonne mille on va la mettre là. Donc j'ai trié les coffres. Et regardez les minerais, attention mesdames et messieurs, j'ai 56 diamants, sans déconner. J'avoue que même moi j'ai eu du mal à... Je crois que j'ai jamais eu autant de diamants, même sur Madventure saison 1. Donc je remercie Arthur, pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il a une pioche fortune 3. D'ailleurs c'est ce qui me motive aujourd'hui du coup à faire des enchantements. Donc on va faire des gros enchantements pour cet épisode. On va déjà se faire un stuff full diams clairement. Mais du coup voilà, en gros je minais. Alors j'avais beaucoup de chance par contre hein. Je suis allé dans une mine opti du coup avec BXNO et j'ai eu beaucoup de chance. Je suis tombé très rapidement sur pas mal de diamants. Mais au delà de ça voilà, c'est la fortune 3 d'Arthur du coup qui m'a vraiment permis de me mettre vraiment bien et de bien me stuff. J'aimerais juste un petit peu vous montrer la nuit comment ça rend avec les lanternes, parce que là le soleil se couche et c'est vraiment vraiment magnifique. Regardez comment ça rend la nuit quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vraiment très très beau, c'est très cosy. Je suis vraiment très content. Je veux dire, je me suis jamais senti aussi bien sur Minecraft, vraiment. Là on a une petite vue sur le village PNJ qui a été pillé hein, vous le voyez hein, ça a été complètement pillé. Mais voilà, là franchement on se sent vraiment bien. Moi je me sens vraiment bien. Là c'est vraiment... Comprenez que je m'amuse vraiment à faire cette aventure quoi, c'est vraiment assez sympa. Là où... Ah bah là j'ai fait une poubelle d'ailleurs, hein, très important pour pouvoir jeter par exemple les 56 diamants, je rigole. Et puis en haut, un petit lit, du coup on peut dormir, mais je crois que personne ne va dormir puisque j'avais demandé à ce qu'on ne dorme pas. Du coup voilà. Alors j'ai réduit l'opacité du chat, hein, comme ça on se fait pas déranger parce que ça me perturbe pas mal. BXNO a rejoint, donc je sais pas s'ils veulent dormir. Tu sais quoi, dans le doute, je vais quand même remettre chat settings, opacité pour voir... Non bah du coup elle a rien écrit, donc on va laisser la nuit, y a pas besoin de dormir. Du coup voilà, on va se stuffer. Je me suis fait une jackbox aussi, une enclume et un petit kiff, voilà, un frigo du coup avec ces blocs là. Du coup c'est de la stone qui a été cuite et donc c'est ce qui a permis d'ailleurs de crafter ceci. Et comme j'en avais en trop, bah je fais ça, ça fait une sorte de frigo. Donc pour le moment c'est là, ça pourra toujours être déplacé. Là ici j'ai trié les coffres, ici je mets tous les blocs de terre, ici tous les blocs de cobble et ici tous les blocs de bois. Comme ça je m'y retrouve beaucoup plus facilement. Je suis vraiment pas peu fier, on va pas se mentir. Donc on va se faire une pioche, une épée et bien évidemment un bon petit stuff. On va se faire des enchantements, donc on va se faire une table d'enchant, quoique on pourrait aller... Bah tu sais quoi, on va se servir chez les autres. On va se servir chez les autres, on va pas se casser la tête. Cover me with diamonds. Ah là 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 là, regardez, ça y est. Eh les mecs, faut faire un screen là. Faut faire un putain de screen. Du coup, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a des bouquins? Alors déjà j'ai du cuir, j'ai de la canne à sucre, j'ai du lapis, on va tout prendre sur moi. On va tout prendre sur moi, le lapis j'en ai là, on va tout prendre. Non, on va quand même en garder quelques-unes. Les blocs, ok. Alors attends, donc je regarde hein, si j'ai pas du papier.
Bah là j'ai du papier. Ah bah Fire Zizi. Là j'ai du papier, j'avais pas vu. La canne à sucre j'en ai pris, mais j'en ai encore dans les coffres. Et puis il y en a un petit peu partout, vous allez voir. Bon, très bien. On va déjà se contenter de ça. Donc comment on fait nous? On fait comme ça, très bien. Tac, tac, ça nous fait du coup des bouquins. Est-ce que... Bah j'ai plus, de toute façon j'ai plus de cuir. Du coup ce qu'on va faire, on va aller se téléporter du coup au spawn. D'ailleurs vous allez voir, j'ai changé un peu les portails de place, mais surtout regardez, j'ai décoré le mien, voilà, je me suis fait un petit kiff. Du coup j'ai fait cuire de la terracotta blanche, du coup ça nous fait un petit soleil, comme je suis au 7ème ciel, ça tombe bien, vous voyez, donc j'aime bien, voilà, chacun pourra décorer comme il veut, et puis bien sûr ce sera probablement une mine d'or, donc ça on mettra ça en commun, on fera ça assez sympathiquement. Il y a personne qui a avancé. Oh, il y a un portail maintenant qui a été fait ici. Mais je pense du coup, ah ouais, il me semble que c'est Nerwi qui fait ramener du coup des villageois du coup pour pouvoir faire des trades assez sympas au spawn. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur notre petite île déserte avec BXNO. Yop. Par contre, à mon avis, il va y avoir des monstres. C'est bon. Et en fait, il y a pas mal de cannes à sucre, donc on va les prendre. Eh, c'est mon île, hein. C'est l'île de Marion et moi, mais c'est aussi la mienne, donc j'ai le droit de me servir forcément. Il y a un petit bateau, très bien. Donc voilà, on va prendre un maximum de livres pour pouvoir faire... Regardez ce qu'elle a fait. Je sais pas si j'ai le droit de spoil, donc je vais pas trop montrer. Comme ça, je lui laisserai l'exclusivité en vidéo, évidemment, parce que c'est elle qui a fait tout ça. On va pas se mentir. Ah bah, je vais prendre ça. Voilà, je vais prendre... Allez, je vais me faire plaisir. Hein. Allez, hop, je me casse. C'est bon, j'ai pris ce qu'il me fallait. Je me casse et je vais aller chez Dragon Alpha, parce qu'il me semble qu'ils ont des bons trucs. Alors attendez, ouais, moi je suis un gratteur. Et autant en profiter. Hein. Oh, regardez la base. Leur base de Dragon Alpha, elle est incroyable. Attends, mais ça a changé, je suis perdu. Non, attends, elle est là, leur grotte, il me semble. Elle est là, très bien. Et il me semble qu'ils ont... Voilà, vous voyez pourquoi je suis venu ici? Tout simplement parce que nous avons... Normalement, on peut faire, voilà, jusque du level 30. Donc là, on va se faire plutôt plaisir, on va pas se mentir. Ah, j'ai pas beaucoup d'XP, par contre. Ça, j'y avais pas pensé. Il y a quoi dans ce coffre? Oh, bon, je vais pas me servir ici, hein. Je vais pas me servir, ça c'est quand même à eux. Voilà, hein, on va pas se mentir. Déjà que je vais profiter de leur table d'enchant. Est-ce qu'ils ont une table de craft? Ah bah là, j'avais pas vu. Parce que du coup, je vais me refaire d'autres livres. Hop, tac. Ah bah ça nous fait tout pile. Voilà, donc j'ai 18 livres, c'est pas mal. On va enlever. Oh non, du coup, j'ai perdu des. Oh non, j'ai abîmé mon. Putain, je suis vraiment un boulet. Bon. On va voir un peu les enchantements. Alors, fire protection. Attendez, ce que j'ai envie déjà, c'est voir si je peux avoir. Si je peux avoir une fortune. Donc là, j'en ai pas, malheureusement. J'en ai pas. Qu'est-ce qu'il me propose comme enchantement? Le casque. Non. Alors, les enchantements sont pourris. Hein. Fire protection. Il faut 28 niveaux de toute façon. Genre, j'en ai pas assez en fait. Ah là là, le coup dur. Non, mais là, la flemme. En fait, moi, ce que j'aimerais bien. Ah ouais, mais j'ai pas assez d'XP. Ah, j'avoue, je me suis un peu enflammé. Hein. Y'a pas moyen de se faire un peu d'XP? Ah si, vas-y, elle sait quoi, on va se faire un peu d'XP très rapidement. J'espère que ça va pas vous déranger. On va se faire très rapidement de l'XP, ça va être assez rapide. On va aller dans le Nether. Parce que j'y suis encore jamais allé. Alors par contre, du coup, j'ai plein de trucs sur moi. Oh là là, les allers-retours que je fais, les potes. Les allers-retours que je fais, heureusement que ça va vite avec les téléportations. Mais il faut que je mette en sécurité tout le diam ce que j'ai sur moi. Hein, parce que je suis bête, mais j'allais partir n'importe comment. Donc on va mettre en sécurité ceci. Tac, tac. Pareil pour le lapis. Et on va partir directement dans le Nether. Ouais, pareil, tu sais quoi, l'épée en diams, je vais la sauvegarder. Pareil pour la pioche, j'en ai pas besoin. Voilà, la canne à sucre aussi, tac. Et voilà, on va partir du coup dans le Nether, les frérots. Bon, en diams, du coup, quand même, on va quand même se protéger. C'est la première fois que je vais y aller, hein. C'est la première fois que je vais y aller. C'est pas moi qui ai fait le portail, du coup, c'est... Alors attends, ça dépend lequel. Bah attends, tu sais quoi, on va prendre celui-là. Celui qu'on a vu au spawn. Donc celui-là, je sais pas si c'est... Je crois que c'est Nerwi, du coup, qui l'a fait, donc comme déjà dit. Du coup, voilà, on va se faire un petit peu d'XP, juste histoire d'avoir un level 30, vous voyez. Alors là, ça va être la première fois que je vais dans le Nether, hein, par contre. Alors attention, j'ai un petit peu peur, je ne sais pas à quoi il ressemble. Apparemment, il est pourri. Oula, alors déjà, ils ont fait un tunnel, pas mal. Oh là là, oh là, oh c'est joli. Donc là, objectif quartz, hein, bien évidemment. On va essayer de se prendre un maximum de quartz. Oh là 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 là, alors là, il y en a. Oh, il y a une forteresse. Alors, non, attends. Très mauvaise idée. Je vais enlever le shader, mais je vais me mettre là. on va pas faire ça n'importe comment. Donc j'enlève le shader, les amis, parce qu'évidemment, sinon, on verra pas grand-chose. Très bien. Donc ouais, là, on a pas mal de quartz qui traîne. Le pont est pas très safe, hein, si je puis me permettre, mais on va faire avec pour le moment. Et on va récupérer l'XP. Le pseudo, il sert à rien. Hop. C'est parti. Donc ouais, level 30. Enfin, en tout cas, proche du level 30. Hein, je vais pas non plus trop vous casser la tête. Mais histoire qu'on puisse un petit peu se faire des enchantes. Là dans l'idée j'aimerais bien assez rapidement me faire, ce serait vraiment top, une fortune sur ma pioche. Genre fortune 1, fortune 2, fortune 3. Et par la suite faire des enchantes sur mon armure. Mais dans la priorité vraiment j'ai trop envie d'avoir une fortune. Parce que putain, enfin excusez-moi du vocabulaire, mais
Waouh quoi, c'est un truc que j'ai jamais fait sur Minecraft et j'avoue que Arthur là il m'a régalé quoi. Genre j'ai deux diamants devant moi, je lui demande, il mine, ça m'en fait 8 ou plus. Non peut-être pas, j'abuse un peu. Mais c'est assez sympa. Là-bas il y a un autre, regarde, il y a un autre portail. Eh mais c'est incroyable. Alors tout le quartz, j'en ai vu aussi à côté. Ah il y en a pas beaucoup hein. What? Qui? Ah il est au-dessus d'accord. Très bien. Il m'a fait peur le blaze, je me suis dit il tire d'où le blaze là. Qu'est-ce que c'est que ça ne va pas? Bon normalement il me voit pas, il va pas me tirer dessus. Alors on récupère, donc là on va être niveau 20. Ça doit prendre à peu près 5 minutes pour arriver je pense niveau 25 on va dire. Enfin si on a de la chance, si on peut trouver rapidement du quartz. Parce que là il est un peu généré bizarrement je trouve le nether, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas où il est, non là c'est un, eh, là, c'est un coup à faire tuer mes acolytes, hein. C'est pas bien ça. On va pas faire des pièges comme ça, là. Là on a masse quartz, j'ai entendu un ghast hein, je vous rassure, je l'ai entendu. Je sais pas où il est mais, oula, je l'entends assez fort. Il est où? Je sais pas, non mais là, là on est tranquille, il est pas là. Il est pas là, on est tranquille. J'ai cru voir un autre portail. Non, je suis parano. J'ai l'impression qu'il y a des portails du Nether partout, bon en même temps c'est normal. Hein. On est assez nombreux sur le serveur. Enfin, pas actuellement bien sûr, mais en temps normal. Alors comment je vais faire pour traverser là? Il faut que je fasse un pont, je vais un petit peu prendre du... Ah putain, en plus ma pioche elle va casser après là. Oh ça craint. Bon on va se mettre un maximum d'XP. Voilà, on va pas non plus rechercher le niveau 30. Ah bah là il y a de l'XP, enfin du quartz. Ah par contre, je vais récupérer aussi les magma blocks et la soul sand, comme ça je vais pouvoir faire des ascenseurs aussi. Je vais pouvoir faire des ascenseurs, ça va être assez sympa. Donc avec l'eau bien sûr, on va récupérer. Puis au-delà de ça pour les potions évidemment, la soul sand évidemment, c'est évident. Par contre oui ça fait mal, hein. Attention quand même. Hein. Attention quand même, on récupère et on va se faire un petit pont. Hop. Alors... C'est très dangereux, hein. Faut faire attention. C'est vraiment le pire truc que je fais. Là, si on a un rollback, c'est fini. Évidemment. Donc, on va faire gaffe. Faut vraiment avoir confiance au serveur. Là, c'est une preuve pour montrer que le serveur a moins de bugs qu'au début. C'est une preuve irréfutable, hein, regardez. Voilà. Alors, le serveur, il tient pas la route. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance. C'est vrai qu'il faut faire attention de base hein, sur les serveurs. Ah, par contre, là, c'est très dangereux. alors. Oh! Oh putain! Je suis dans la merde. Je me mets vite à l'abri. Vous avez vu le ghast? Vous l'avez vu? Ça craint de ouf. Alors attendez, je vais essayer de monter. Mais là, je vais casser ma pioche juste en montant, c'est chiant. Ça craint de ouf. Parce que là, le ghast il est juste là. Ok, c'est bon. Alors. Attendez, hop. Voilà, on va s'équiper. Yo! Vas-y, retour à l'envoyeur. Hop! On va essayer l'achievement. J'y arrive pas, je suis nul. Ah, le rollback. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment. C'est bon. Oh putain, il m'a fait peur. Eh. Ok, bon, le bouclier protège pas mal. Bon, je me casse, hein. Je crois que là, il veut pas coopérer, si. Tire. Non, attends. Je veux faire un retour vers l'envoyeur, déjà, parce que sinon, il va me saouler. Oh, mais qui est con. Allez, mais tire-moi dessus, vraiment. Oh, merde. Mauvais bail. Très mauvaise idée. Je suis un homme mort. C'est bon. Voilà, j'ai voulu faire trop le malin peut-être. Ah même avec le stuff en diams là, il est pas enchanté tout donc. Allez, je me casse. Laisse-moi tranquille. Laisse-moi miner mon XP. Eh ben, ça craint. Hein. Ça craint de ouf. Bon, là on a pas mal de quartz, excusez-moi je suis tendu là du coup, ça y est, hein. Là je me suis calmé direct. Hein. Hop. On sait jamais, donc j'ai des blocs pour m'enfermer, mais... Je vais juste faire gaffe de pas peut-être pas péter ma pioche, si jamais je suis dans le mal, j'aurais peut-être besoin de ma pioche, ce serait vraiment con. Au pire, je peux me TP sur les joueurs si jamais en vrai, hein, donc... Mais bon, j'ai quand même envie d'utiliser un maximum de vanilla. Bon, du coup, niveau 21, je m'éloigne pas mal... Je m'éloigne pas mal. Donc là-bas, il y a une forteresse. Elle a déjà été pillée. Hein. Ça sert à rien d'aller voir. Hein. Elle a déjà été pillée, c'est évident. Enfin, pillée. Il y a déjà quelqu'un qui s'est servi, quoi. C'est normal. Donc on en trouvera d'autres. Où c'est qu'on a du quartz pas loin, là? Putain, j'aimerais vraiment me faire une petite... Ah, là. J'aimerais vraiment me faire une petite fortune.
Ce serait vraiment excellent. Et par la suite faire des enchantes. On va faire très rapidement en tout cas dans les prochains épisodes l'Ender Dragon. Donc j'aimerais bien le faire avec plusieurs acolytes. Donc ça va être assez rapide hein. Si ce sera pas dans le prochain épisode, ce sera dans le suivant. En tout cas sachez-le. Comme ça on aura au plus vite les Elytras. Et puis on aura surtout les Shulker Box hein, trop pratique. Vraiment ça va être trop pratique ça aussi. Enfin, vous avez vu je suis assez efficace hein, pour cette série hein. Clairement évidemment dès le début épisode 3 voilà on se met vraiment bien. Là il y a encore du quartz là-bas. Et puis on va rentrer hein. On va rentrer tout doucement. De toute façon on est sur le chemin du retour. Et on va pouvoir se faire nos enchantes. Alors ne jamais creuser sous ses pieds évidemment. Vous l'aurez compris. Donc... Oh putain c'est ce que je viens de faire. Oh mais quelle erreur. Oh là j'ai vu flou. Oh j'ai vu flou. J'ai vu flou. Bon on va repartir. On va repartir. Attention là ça brûle. C'est bon c'est passé. On va manger des baies hein. Quoi de mieux dans le nether que de manger des baies ouais, parce que là il faut que je régène tous mes cœurs au cas où hein. On sait jamais ce qui peut se passer. Ok c'est bon. On fait attention. Et on se casse. Voilà. Bon niveau 22. Niveau 22 ça devrait le faire. Attends on va prendre encore un peu plus de soul sand. Sait-on jamais. Voilà. Niveau 22 ça va. Ça va. Bon j'aurais quand même aimé avoir un petit peu mieux. Mais c'est vrai que je m'y attendais pas. J'ai voulu tourner cet épisode pour absolument vous montrer en vidéo les enchantes que je vais faire. Mais c'est vrai que j'avais pas calculé le fait que j'avais pas beaucoup d'XP quoi. Bon on va faire avec. On va bien voir. Au pire. Au pire du pire. On va s'arranger, on va trouver un truc. On va trouver un truc, alors attends on va se faire un petit escalier. Comme ça, voilà, tout le monde sera content. Et bah non on est reparti du coup dans le monde normal. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Bref, j'espère que la série vous plaît en tout cas. Je regarde un peu vos retours, donc du coup ouais, je suis vachement actif sur cette série, c'est évident. Mais voilà j'espère en tout cas que vous suivez à fond la série. Parce que du coup c'est vrai que comme je sors des épisodes assez rapidement, peut-être que du coup vous avez peut-être du mal à suivre. En tout cas j'essaie de faire de mon mieux. L'avantage avec cette série, ce que j'essaye de faire, c'est que vous n'avez pas besoin de regarder par exemple l'épisode précédent pour pouvoir comprendre l'épisode suivant, vous voyez. Donc j'essaye un petit peu de faire ça. Je vais juste remettre le shader parce que sinon de toute façon ce sera pas beau du tout. Pas beau du tout du tout. Ok donc là on a un petit peu d'XP. On va vite récupérer on va récupérer quoi. Bah oui on va récupérer du coup à ma base. Non je me suis trompé, putain je me suis trompé. Me suis trompé, je veux retourner à la maison. Je veux retourner à la maison. La maison, c'est dans le ciel, au soleil. Voilà, comme dirait Jennifer, bien évidemment, au soleil. Bonjour à vous, les droits d'auteur. Alors, on a ici... Ah bah, je me suis trompé de coffre, en plus. Ça n'a pas lieu d'être là. On récupère les bouquins, les lapis, on les oublie pas. Et c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça nous suffit. Donc, c'est parti, du coup, pour retourner chez Dragogo. Et utiliser la table d'enchant. Alors, Dragogo, c'est où? C'est ici. Ça me fait un petit peu perdre la tête, hein, tous les portails. Hein. Alors, hop, bonjour. Bonjour, bonjour, c'est quoi ça? Pour Dragogo, ma femme. Qu'est-ce que c'est? C'est pour faire des boucliers? Eh, attendez. C'est pour faire des boucliers, ça? Je ne sais pas. Bon, je sais pas ce que c'est, mais il se passe des choses sur le serveur. Oula, je sais pas ce qui se passe. C'est assez particulier. Bon, donc, attends, par exemple, donc, si j'enchante ça, là... C'est de la merde, Smite en plus je crois que c'est nul. Là on est d'accord qu'il me propose pas vas-y attends, c'est quand tu veux mon pote hein. Y a pas de, ça passe pas. Silk Touch, Efficiency, bon alors attends. Mais j'ai pas envie de le tenter, sinon faut que je fasse avec des bouquins. Piercing Protection 2. Alors attends, un bouquin Protection 2, on dit pas non. Là, Fortune. Fortune 2, il me faut 28 niveaux. Oh non, non, non. One Eternity Later. Oui, ça y est, je suis niveau 29. Alors attends, je vais terminer le filon tant qu'on y est. Bon, les frérots, eh ben, je pensais pas que ce serait si long. Voilà, sincèrement. Et c'est long en fait de miner de l'XP. Hein. Oh, voilà, fais attention quand même. Très dangereux ce que je fais. Hop, on va faire gaffe. Alors, je joue avec le feu, hein, c'est le cas de le dire. Bon, voilà, on va se contenter de ça. Maintenant, il faut juste retrouver le chemin de la sortie. Bah voilà, il suffit de suivre ce pont là que je sais pas c'est qui a fait. Mais du coup, voilà, impec. Bon, du coup, voilà, niveau 29. On va pouvoir se faire déjà au minimum la looting 2. Pas du tout, la fortune 2, excusez-moi. Donc ce qui est vraiment, vraiment pas mal, fortune 2. Et par la suite, si ça se trouve, on va même pouvoir réussir à se faire la fortune 3, c'est pas sûr. Dans tous les cas, on va terminer cette vidéo du coup sur la note positive que je voulais. Donc on va se faire fortune 2 et on va un petit peu s'enchanter le stuff. On va voir ce qui va être peut-être assez sympa. À avoir comme, comme enchant hein, tout simplement sur notre stuff. Alors un peu dégoûté du coup d'avoir un peu abîmé le stuff en diams. Mais bon c'est pas grave, c'est un mal pour un bien.
au moins j'étais sûr d'être plus ou moins, enfin j'étais mieux safe quoi. Hein. Clairement par exemple le combat contre le Ghast, comment je m'y suis pris, si j'avais l'armure en fer j'aurais été mort. Hein. Je pense que j'aurais été mort par contre là. Très dangereux d'avoir fait en plein milieu d'un pont, au-dessus de la lave surtout, très dangereux. Très mauvais bail. Ok, bon, ben on est arrivé, j'entends un Ghast, et ben c'est plus mon problème. Je remets le shader très rapidement et on est reparti dans la magnifique dimension de MadVenture 2.0. C'est parti. Ah là là, j'ai hâte de me faire cette fortune 2 et voir par la suite qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Hop. Alors, ouais, donc j'ai rien sur moi, hein. Donc là, faut juste très rapidement que je retourne sur mon île. Oh, il y a un poulet. Ah, il y a des mobs qui spawnent, quoi. Ouais, ça c'est bien, quoi. Ça c'est bien. C'est bien qu'il y ait des mobs qui spawnent. Ah là, il y a Lydith qui a rejoint. Attends, je vais pas écrire en majuscule quand même. Hein. Yo, du coup, moi, mon île, elle est là. Faut vraiment que je m'y fasse. Ah, pourquoi moi, Mkolo? Alors là, il parle du coup, vous le savez, du coup, du dernier épisode. Hein, l'épisode 2 où je les troll avec Dragon Alpha. il a besoin d'explications là, je crois. Qu'est-ce que je voulais? Oui, donc je voulais épée, pioche, le bouquin, les bouquins, le lapis. Et où est le troll mon bro? Ah non, ça a pas marché. What? Il y a quelqu'un qui l'a enlevé. Ah, mais oui parce que il l'a pas vu du coup. Ah non, on a fait un troll pour rien. Attends, ça je s'en fout. On va mettre ça dans minerai. Oh là là. Mais wesh, qui a pu faire ça? C'est un truc de ouf. Pourquoi je look ta vidéo sur deuxième écran. Bon, du coup, on va se faire les enchantes. Est-ce que j'ai tout? J'ai tout, ouais, j'ai tout sur moi. J'ai tout sur moi. Du coup, c'est parti. Bon, j'espère en tout cas d'ailleurs du coup que l'épisode vous aura plu, hein, le troll de Lydith. Donc, on va chez Dragogo, justement, du coup. Hop. Et on va pouvoir se faire un petit plaisir. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Les frérots, regardez bien. Bon, c'est pas Fortune 3, hein, mais... c'est déjà Fortune 2. Peut-être qu'il y a un autre enchant derrière, je ne sais pas. Suspense. Hop. Ouh. Efficiency 3, Fortune 2. Bah, on va pas cracher dessus, hein. Le bouquin, il me propose quoi? Protection. Non, ça, c'est vraiment un mauvais bail. Sharpness 2. Allez, on va se le faire. Sharpness 2. Ah, je me suis fait arnaquer, c'est pas grave. La protection... Ah, j'aurais dû essayer d'abord avec les... Mince, quelle erreur. Oh, protection 3. Bon, là, faut être niveau 28, donc c'est mort. Unbreaking 2. C'est pas ouf. Protection 2, voilà, pour les jambières, ça c'est bien. Alors, attendez, on recommence l'affaire. Protection, non, c'est pas ouf. Qu'est-ce que je voulais enchanter? Bah, attends, j'enchante l'épée. J'enchante la pioche. Ah, mais si! Mais d'accord, c'était donc toi. Ah, donc il l'avait en fait vu, mais il l'a oublié en fait. Ah, bon, il l'a quand même vu du coup, le troll. Donc c'est bon, les amis, il l'a vu. Il l'a pas vu en vidéo, malheureusement, je pense. Du coup, tu sais que je me suis fait avoir quand tu l'as fait. Ah, tant mieux. Du coup, on en est où? Donc là, on a un protection 2. Le plastron, non, il a rien encore. Attendez, donc le plastron. Faire protection, mais je m'en fous, moi. Je m'en fous parce que, attendez. Là j'ai jambière protection 2 et là j'ai un livre protection 2. Donc là on peut faire protection 3. Est-ce qu'il y a une enclume? Allez, on va gratter leur enclume. Hein. On va gratter leur enclume. Donc là ça fait jambière protection 3 quand même. Voilà. Non, mais c'était gentil. Du coup voilà, protection 3 pour les jambières. Le plastron du coup, bah ouais, du coup je peux pas l'enchanter là. Hein. Ah mais attendez, je peux faire un truc, c'est mettre des torches. Et là normalement... Il va me proposer quelque chose de sympa. Ouais, bon, protection 1. On va se contenter de ça. Non, ça me plaît pas. Ah, ça me plaît pas. Bouquin. Ah, attends, sharpness 1. Sharpness 1. On va focus là-dessus aussi. Protection 1. On va faire des bouquins, ce sera plus simple. Ce sera plus simple après. Je vais user tout mon XP pour ça. Et puis après. Ah, protection 1. Oh, attends, protection 2, les bottes. On va pas dire non direct. Hein. Donc, protection 2 pour les bottes. Sachant que. Voilà, donc j'ai un protection 1. 1 en livre, donc je peux fusionner ça plus ça, ça fait protection 2, donc je vais pouvoir miser le protection 3 et le casque protection 1, donc encore faire des enchants de bouquins, sharpness toujours, alors là j'hésite entre protection ou sharpness, on va prendre protection, et là j'ai plus d'XP, je n'ai plus d'XP, efficiency 2, bon on s'en fout, alors attends peut-être que je peux enchanter, non j'ai rien d'autre à enchanter, on s'en fout, à moins que j'enchante ça, non mais ça me sert à rien.
Oh, tu sais quoi, vas-y, je vais m'enchanter pour le plaisir, parce que ça fait juste un XP, une pioche en fer, comme ça peut-être que... Ah bah oui, en plus ça me débloque, voilà. Bah j'ai bien fait d'avoir fait ça. Impeccable, c'était un très bon choix. Du coup, qu'on soit d'accord, hein, si Dragogo et Nervi passent par là, votre enclume, je l'ai utilisé. Donc vous inquiétez pas, je vous rembourserai, je vous redonnerai une enclume. Enfin, vous pourrez vous servir chez moi pour l'enclume, y a pas de souci. Bon bah du coup, j'ai mon idée de vidéo. Oh non, MDR, on va commencer à troll violent. Oh non, non, je sens que je vais me faire troll. Non, ça c'est pas gentil, ça. C'est pas gentil. Moi j'étais gentil et tout, on va pas me... Hein. Bon du coup les amis, on part sur une sharpness 2, une fortune 2, du P3, du P2, du P1, du P2. Donc, et puis pas mal de bouquins sharpness. Donc à ce niveau-là, on se met plutôt pas mal. Je vais rentrer à ma base pour faire l'outro. Du coup, dans le prochain épisode, on verra en fonction de ce que je fais en off, hein, tout simplement. N'hésitez pas du coup à me suivre en live. Un truc que je vous recommande, du coup, ma chaîne secondaire, c'est Mkolo Live. Comme ça, vous retrouvez eh bien, des rediffusions que je fais sur Twitch. En fait, je fais des petits lives sur Twitch sans prise de tête où il n'y a que 5 viewers, c'est normal. Et en gros, voilà, vous me voyez faire des trucs, les trucs que je fais en off, quoi, hein, globalement, genre du minage, un peu les enchantements. Donc comme ça, si jamais je fais du live sur Twitch, eh bien, vous pouvez me follow sur Twitch. Le lien est dans la description. Et bien sûr, donc, les rediffusions brutes sont sur ma chaîne secondaire Mkolo Live. Et donc, pour le prochain épisode, on verra ce qu'on fera. Peut-être du coup que je serai vraiment bien bien stuff. Peut-être que je sais pas ce qu'on fera dans le prochain épisode à vrai dire. Peut-être que je serai accompagné, peut-être pas. On verra ça en temps et en heure. J'ai hâte qu'Halloween arrive parce que j'ai des petites idées à faire avec les citrouilles. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, pouce bleu. N'hésitez pas surtout voilà, à partager la chaîne à vos amis. Ça me ferait très plaisir et ça va m'aider du coup à progresser pour MadVenture. Rendez-vous pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo, ciao tout le monde.